Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me connecte ici pour parler de mon stage que je donne, stage découverte que je donne jeudi, et le secret du féminin sacré. En fait, ce n'est pas du tout un secret. En fait, le féminin sacré, cette lumière, cette paix, cette joie de vivre, elle, on est né avec ça, elle est toujours là. Et c'est magique et c'est magnifique. Ce qui se passe à un moment donné, Coucou Sénem, tu viens au stage? Viens au stage, je dis, c'est en ligne, tu pourrais. Hein? Ce qui se passe dans la vie de la plupart des êtres humains, aussi dans la mienne, c'est que nous n'avons pas été initiés à cela. Tout a été mis sur notre chemin comme étant important. Ça a commencé avec probablement les parents qui nous disaient « c'est important de faire ceci, cela », puis à l'école, puis au travail, etc. Et je ne sais pas où toi tu en es dans ta vie, mais qui est-ce qui aborde cette soif à l'intérieur, cette soif de paix, cette soif d'amour, cette soif de joie, de grâce. Et on la retrouve comme ça, on la cherche en fait, on la cherche partout. Et au mauvais endroit, on va la chercher à l'extérieur. Faire des voyages, acheter des maisons, se marier, avoir des enfants, on cherche tout le temps cette joie, on cherche à l'extérieur ce qu'il trouve à l'intérieur. Et ce que j'ai trouvé comme absolument magique, c'est ce corps. Tu sais, parce que le corps, il est en connexion directe, indissoluble avec ton âme. Il est toujours prêt. Il ne sait pas ton corps. Ta tête, elle voyage hein, dans le passé, dans l'avenir. La plupart du temps, tu vis peut-être dans le passé et dans l'avenir. Et ça te rend misérable. L'avenir te fait peur. Le passé te rend triste parce que tu ne sais plus le changer. Mais le corps, il n'est que dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc si tu veux connaître la joie, si tu veux connaître la grâce, si tu veux connaître la paix, si tu veux connaître la puissance, ça se trouve à l'instant présent. Tous les grands maîtres le disent. Mais ce que j'ai découvert, c'est que ton corps, c'est cette machine à sentir cette joie. Waouh, on ne peut pas le décrire. Le mouvement et tout ce que ce corps peut faire, c'est juste purement magique. Parce que c'est un tel coucou Laura, oui, toi tu sais ça aussi. C'est un tel raccourci. Moi, quand je ne savais pas tout ce que je sais maintenant, j'allais danser. Ma vie pouvait être une catastrophe. Ça, c'était ma bulle de protection, c'était ma bulle de bonheur, danser. Je dansais 7 heures par semaine, j'enseignais, je faisais des spectacles, des stages. C'était ma bouée de sauvetage, ma vie à côté de ça, j'arrivais pas à l'arranger comme je voulais. Et je ne vais pas dire que j'étais malheureuse. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait tellement soif. Et la danse était mon échappatoire parce que je me sentais bien. Puis quand j'ai commencé à analyser ça, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la danse, la musique et surtout la danse orientale, pourquoi ça me guérit? Parce que chaque fois que je sortais de ça, de ce cours, j'avais de l'énergie, j'étais heureuse, je rayonnais quelque chose. Je revenais à la maison avec les 4 enfants qui étaient petits, j'avais une énergie de dingue et j'étais juste absolument éblouie. Aussi, le fait de donner le cours a certainement contribué à ça, hein, parce que j'avais une super régularité grâce à ça. Et donner et toujours recevoir en multiples en retour. Et c'est comme ça que fonctionne la vie. Maintenant, ce que je faisais dans le cours de danse, je le fais dans ma vie avec mon travail. Et je n'ai plus de travail, moi. Je ne travaille pas, moi. Je fais ce que je fais le mieux dans ma vie. Et ce que j'adore faire, c'est... Ma vie est transformée. Et donc, voilà, le stage. Pourquoi je fais ce stage? J'ai vraiment envie que tu puisses sentir ça. Parce qu'une fois que c'est ancré dans ton corps, personne ne peut te l'enlever. Jamais. Tu peux... Une fois que tu connais cet endroit où tu le sens, comment il fonctionne, comment est-ce qu'il me parle mon corps, une fois que tu connais ça, personne ne va pouvoir te l'enlever. Tu sais, ta tête, on peut la manipuler, mais ton corps, il ne veut que être à cet endroit, il ne veut que guérir. Tout le temps être dans cette joie. Il a été conçu pour ça. Il a été conçu pour vivre au paradis, il a été conçu pour goûter à cette joie de vivre de l'intérieur et de l'extérieur.
avec tous les sens, toutes ces portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, ben, tu peux les ouvrir à l'intérieur. Et ton corps, c'est cette machine magique de joie. Et quand on danse, on a la musique, cette musique qui peut t'apporter la force, la puissance, la nostalgie, tu sais, les différents instruments. Ce sont des vibrations, ça te met dans... Ça te connecte comme un raccourci à quelque chose que tu cherches partout ailleurs. C'est magique, voilà. Je pourrais en parler pendant des heures. Donc, si tu m'écoutes ici cette vidéo et que tu n'es pas inscrite, je n'ai pas mis ici le lien, mais regarde sur ma page, il y a ce lien pour ce stage. Et je t'invite à t'inscrire, amène tes copines, amène ta soeur, ta mère, je ne sais pas, venez. Parce que vous allez découvrir quelque chose d'absolument magique et d'absolument puissant. Vous allez rentrer dans votre corps et expérimenter ce qu'il y a là comme source de bonheur et de bien-être. Et ça vaut de l'or de connaître ça. C'est ce que j'enseigne là, ça vaut de l'or. Ça m'a guéri moi de beaucoup de choses et ça m'a fait avancer dans ma vie à une vitesse, sur un chemin lumineux que je te souhaite aussi si tu n'es pas déjà là-dessus. Et voilà, donc j'espère que vous allez voir, partager ce stage. Il est gratuit, j'ai fait gratuit, pourquoi? Parce que je veux vraiment que le plus de personnes possible puissent découvrir ce que moi j'ai découvert avec la méthode qui est issue d'une vision d'un rituel chamanique de guérison en 2015. Et c'est un don, c'est un cadeau du ciel, ça, cette méthode. Donc, voilà, je voudrais que la plupart des femmes, toutes celles qui ont besoin de découvrir ça, puissent le découvrir. Et donc, j'ai besoin de vous tous de partager cette information pour que ça puisse être vu, entendu et pratiqué. Aussi, j'ai offert, donc je dis, je donne deux stages, un le matin et un le soir, pour vraiment donner la possibilité à toutes celles qui travaillent de venir plutôt le soir, enfin c'est en début de soirée, 17h30, à toutes celles qui ont des enfants et qui veulent plutôt faire ça le matin, de venir le matin. Donc il y a deux stages le même jour, pour cette raison-là. Ok, je m'en vais, je commence ma journée, j'ai un workshop aujourd'hui. Oups. je suis à la fin de mon jardin ici, très très chouette, et je vous souhaite une très belle journée, et on se voit jeudi, ok? Bisous.